άλλους δεν έχει αλήθεια κάλλιους μαρτύρους και ευλεπάντορες στις σύμβασές μας τούτες. Τι το κορμί σου εγώ σκληρό ψυχα δε La grotte étant près d'elle contre sa volonté parce qu'elle le voulait. Εκείνος, όχι. Τις μέρες όμως τις περνούσε κρεμασμένος σε βράχια και ακροτήρια. On dit communément l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Première question, toute bête, toute simple, Jean-Pierre Vernant, est-ce qu'il est un seul auteur de ces deux poèmes? Moi, j'ai tendance à répondre oui. Mais si la langue est la même, il y a des différences d'orientation entre ces deux grands poèmes, et on ne peut pas affirmer que c'est le même poète. Mais derrière cette question, il y en a une beaucoup plus grosse, si je peux dire, beaucoup plus générale, plus difficile encore, c'est est-ce qu'on peut parler pour des poèmes de ce genre et de ces époques d'un auteur au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans son cabinet, écrit un manuscrit, le signe, l'envoie, c'est-à-dire où le rapport entre l'œuvre et ce que nous appelons l'auteur est fondamental. Vous souvenez-vous de votre découverte des poèmes homériques de l'Iliade et de l'Odyssée? Oui, ça s'est fait graduellement. Bon, comme n'importe quel enfant, je crois, j'en avais beaucoup entendu parler. J'avais vu dans des livres d'images l'histoire d'Ulysse et le Cyclope. C'est surtout cette histoire-là qu'on raconte aux enfants. C'est la plus drôle, et en effet, elle est très drôle. La vraie rencontre avec le vrai texte, c'est en fait quand j'avais 15 ans. J'étudiais dans le système gréco-latin, et là j'ai fait la connaissance du texte lui-même en le traduisant. Et je pense que n'importe quel élève qui a fait du latin et du grec est d'accord pour dire que, en grec en tout cas, le meilleur moment c'est quand on traduit Homère. Et moi, j'ai toujours été une grande reliseuse. Je pense que quand on aime un texte, on ne lui rend jamais de plus bel hommage que quand on le relit. Et s'il y a bien un texte qu'il faut relire, c'est l'Iliade et en particulier l'Odyssée. On découvre sans cesse de nouveaux motifs de jouissance. J'imagine qu'il y a une vie interne à ce texte. Voilà, ça je pense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un écrivain devant son pupitre qui écrit un truc. C'est pas ça. C'est une œuvre probablement avec une personnalité très forte, c'est sûr. Plusieurs peut-être. Mais c'est une œuvre qui, dès qu'elle existe, devient collective. Parce qu'elle n'est pas lue, elle est récitée. Qui a vu sa fanny? Il y a eu une grande querelle dernièrement, qui continue à être vivante, pour savoir si ce texte que nous avons, ces deux textes, ont été au départ écrits par un, par deux, par plusieurs poètes, ou s'ils relèvent de ce qu'on appelle la tradition orale. S'il s'agit d'une poésie orale, par conséquent, d'une poésie beaucoup plus ancienne.
Hector, tu croyais peut-être, n'est-ce pas, quand tu dépouillais Patrocle, que tu serais sauf. Tu ne redoutais rien de moi. J'étais loin. Quel enfant tu fais. À l'écart, près des nefs creuses, était son défenseur qui vaut bien mieux que toi. J'étais là, en arrière. Et j'ai défait le lien de tes genoux. Les chiens et les oiseaux outrageusement vont te traîner. Et Patrocle aura les honneurs funèbres que lui rendront les Achéens. Ce sont des poèmes qui donnent des effets à la fois tragiques, comiques et romanesques. Alors plus du côté de l'épopée qui est à la source de la tragédie et qui est quelque chose qui sert un petit peu à exalter certains sentiments de manière souvent utilitaire, parce que dans l'Iliade c'est quand même la guerre qui est exaltée et ça on ne peut pas l'oublier. C'est un côté très antipathique de cette œuvre. Mais c'est à l'intérieur de ce côté antipathique, il y a une espèce de connivence avec les gens qui souffrent à la guerre. Et il y a une dénonciation extraordinaire de la guerre. C'est ça, c'est toujours cette espèce de double fond. Hector vit Paris et lui cherche à querelle en termes infamants. Paris de malheur, champion de beauté, séducteur fou de femmes, si seulement tu n'étais pas né, si tu avais péri sans mariage. C'est cela que j'aurais voulu, qui eût beaucoup mieux valu que de te voir comme tu es, un opprobre, l'objet du mépris d'autrui. Ah, il rit aux éclats, je suppose, des Achéens chevelus qui ont pris le champion pour un brave parce qu'il a sur lui une belle apparence, alors qu'il n'a au cœur ni force, ni vaillance aucune. Et tel étant, oui, dans les nefs des hautes traversées, tu as vogué sur la mer avec la troupe de tes compagnons si forts, prisés de toi. Effrayante avec des étrangers, tu as ramené d'une terre lointaine une femme d'une beauté parfaite, mariée chez des porteurs de lances, et par elle pâtissent grandement ton père, ta cité, ton peuple entier. Se réjouissent nos ennemis et toi-même. Baisse les yeux. C'est l'acte de naissance du roman de guerre et du roman de voyage, dont seront tributaires toute la littérature qui suivra. Et aujourd'hui même, sans même parler de littérature, prenons par exemple les films de guerre. On a bien remarqué aujourd'hui, depuis le temps qu'il y a des films de guerre, que dans les films de guerre, il y a toujours une histoire d'amour. Hein. Eh bien, est-ce que ce n'est pas à cause d'Homère, tout ça? Parce que dans l'Iliade aussi, il y a des histoires d'amour. Cette espèce de loi du genre, peut-être qu'elle vient déjà de l'Iliade. Cette nécessité absolue d'insérer une histoire d'amour dans les films de guerre, ce qui ne semble pas aller de soi à la base, parce que, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais fait la guerre, mais enfin, pour ce que j'en ai vu, ça n'a pas l'air d'aller de soi qu'il va y avoir une scène d'amour dedans. Mais les lois du genre étant ce qu'elles sont, quand on pense à la guerre, on croit peut-être plus à Homère qu'à CNN. À ces mots, l'illustre Hector tendit les bras vers son fils. Mais son fils se recula, penché contre le sein de sa nourrice à la belle ceinture. Et il criait, affolé par l'aspect de son père, effrayé par le bronze et la longue crinière de cheval du panache qu'il voyait s'incliner, terrible, au plus haut du casque. Et son père et son auguste mère d'éclater de rire. Aussitôt, l'illustre Hector ôta le casque de sa tête et le déposa, tout brillant, sur le sol. Puis, quand il eut embrassé son fils, qu'il lui fait sauter dans ses bras, adressant des vœux à Zeus et aux autres dieux, il dit « Zeus, et vous, les autres dieux, accordez que mon fils, que voici tout comme moi, se distingue entre les Troyens, qu'il ait une force accomplie comme la mienne, qu'il règne sur Ilion avec vigueur. Oh, que l'on dise un jour, celui-ci vaut beaucoup mieux que son père à son retour d'une bataille, qu'il rapporte de sanglantes dépouilles quand il aura tué un ennemi et que sa mère en ait la joie au cœur. » À ces mots, il mit son fils dans les bras de sa femme, elle le reçut sur son sein parfumé et son rire se remplit de larmes. Ce sont deux textes qui sont deux textes fondateurs. Il est intéressant de savoir que justement ces deux textes fondateurs sont d'une part
non pas des textes théologiques ou des vérités révélées, mais des grandes épopées, et qu'un philosophe comme Platon peut, lorsqu'il déclare que la poésie telle qu'elle est pratiquée, ça ne va pas parce que les gens racontent n'importe quoi, il prend l'exemple et il explique que, au fond, Homère, l'Iliade et l'Odyssée sert d'une sorte de compendium pour les jeunes Grecs où ils apprennent tout. Ils apprennent ce que c'est que les valeurs, les dieux, la guerre, mais aussi l'agriculture, la façon de construire un navire, l'art de la guerre, la vertu, le vice, le mensonge, tout est là-dedans. C'est vrai que toutes les situations qui nous sont montrées aussi bien dans l'Iliade que l'Odyssée sont jamais des situations philosophiques. C'est toujours des... on ne peut plus humain. Et c'est en cela que c'est en effet totalement intemporel. Les gens qui croient qu'il est ennuyeux de lire l'Iliade et l'Odyssée prouvent simplement qu'ils n'ont jamais ouvert, touché l'Iliade et l'Odyssée. Ça parle de nous tout le temps. C'est Dieu justement, et c'est la valeur pour nous encore aujourd'hui de la mythologie grecque, c'est que ces dieux sont les forces qui nous font agir. C'est nous-mêmes, mais c'est plus que nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils nous contraignent, ils nous emmerdent, soyons francs, c'est comme ça que ça se passe. Ils font des choix qui ont l'air complètement arbitraires, donc c'est toute la question du sort et du hasard qui est en cause. Ils aident, ils gênent, ils descendent sur terre, ils sont invisibles, ils sont déguisés, ils prennent l'allure, comme dans les trucs de science-fiction, des personnages eux-mêmes. Ils choisissent un personnage, ils s'incarnent dedans, donc on les reconnaît pas du tout. Ils poussent, ils tirent, ils font vivre et ils font mourir. Parce que les dieux sont vraiment une projection parfois anoblie, mais parfois tout à fait caricaturale. Je ne sais pas, le cocuage des Phaïstos, Vulcain en latin, c'est du labiche, complètement. Bon, donc là, il y a aussi une continuité qui est que si les dieux sont injustes, ridicules, arbitraires, colériques, trompeurs, menteurs comme des arracheurs de dents, ça veut dire quelque chose sur notre condition. Et c'est ça qu'il faut chercher. C'est pas une satire de la religion, bien sûr. Mais c'est dire que si les choses se passent si mal sur la terre, c'est que la volonté d'en haut, elle est pas nette. Celui-ci ne le protégea pas de la javeline. Le bronze allant de l'avant traversa et à travers le ceinturon poussa dans le bas-ventre. La javeline toute pointue vibrant dans ses entrailles défit le lien de ses membres. Hector lança sa pique brillante sur Automédon, mais l'autre qu'il avait vu en face évita la javeline de bronze. Il se baissa en avant, la longue pique s'abattit sur le sol. Derrière lui, le talon de la javeline en fut ébranlé, et le puissant Arès alors en relâcha l'ardeur.
Je crois que ce qu'il y a dans l'Iliade et dans l'Odyssée, c'est le fait qu'on ne s'ennuie jamais, ça rebondit toujours, et que les événements qui se passent sur le champ de bataille, alors c'est les types avec un réalisme, la pique enfonce l'écu, elle passe sur la ceinture, elle entre dans les intestins, elle ressort dans le dos, le type tombe avec un grand fracas, il est là, il frémit, enfin rien ne nous est épargné, et les chevaux, tout. Et en même temps qu'il y a cette bataille sur le monde humain, qu'on suit comme un film de cow-boy, il y a chez les dieux, la même chose. Le monde divin, il est là continuellement mêlé, séparé, parce qu'ils s'engueulent aussi les uns les autres, et puis de temps en temps, il y en a un qui s'éclipse et qui vient sur le monde. De sorte que tous ces incidents ou ces accidents ou ces épisodes sanglants ou héroïques qu'on voit, les dieux sont dedans en même temps mêlés. Et en même temps qu'il y a ces deux plans, les hommes, les dieux, qui sont toujours à la fois séparés et présents ensemble, il y a autre chose, qui est le monde de la paix. Et c'est le rôle des comparaisons et des métaphores. C'est en même temps, continuellement, ce qu'on voit, c'est les bêtes, les oiseaux dans le ciel qui se promènent, c'est les fleuves, les mers, les orages, les cieux qui s'ouvrent, les vendanges, les blés, tout l'univers campagnard ou l'univers maritime est rendu de la façon la plus saisissante. À chaque moment du poème, il est présent. Les chiens et les oiseaux outrageusement vont te traîner, et Patrocle aura les honneurs funèbres que lui rendront les Achéens. Hector, au casque étincelant presque inerte, lui dit par ta vie, par tes genoux, par tes parents, je t'en supplie, ne laisse pas les chiens me déchirer près des nefs des Achéens. Accepte plutôt de bronze, de l'or à suffisance, les présents que te donneront mon père et mon auguste mère. Rends mon corps chez nous afin que les Troyens et les femmes des Troyens m'accordent, étant mort, le feu d'un bûcher. Achille, au pied prompt, le regarda en dessous et lui dit « Ne m'implore pas, chien, par mes genoux ni mes parents. Oh, puisse mon cœur en fureur m'exciter, moi, à couper, à manger ta chair. Tel mal tu m'as fait, comme il n'est personne pour protéger ta tête de chien. Amena-t-on ici 10 fois, 20 fois le poids pesé de ta rançon, et en promit-on encore une autre? Imagina-t-on que Priam de Dardanide te fit mettre toi-même en balance avec ton poids d'or? Même ainsi, elle ne te déposera pas sur le lit pour sangloter sur toi, ton auguste mère qui t'a, elle, mis au monde. Non, les chiens et les oiseaux te déchireront tout entier. Hector, au casque étincelant en mourant, lui dit « Oui, à te regarder, je comprends bien qui tu es. » Et il était dit que je ne te persuaderais pas. Oui, tu as dans les entrailles un cœur de fer. Prends garde à présent que je ne devienne pour toi une cause de la colère des dieux. Ce jour-là où Paris et Phoïbos Apollon, tout brave que tu es, te feront périr. Comme il disait ces mots, pour lui, ce fut le terme. Et la mort le recouvrit. C'est l'histoire, le centre de l'histoire, c'est l'histoire d'Achille, c'est-à-dire d'un être dont toute la vie
est situé entre une sorte de quelque chose qu'on peut aussi bien appeler un choix décisif qu'il va faire ou qu'il va endosser et un destin qui lui est imposé. Le choix est le suivant. Ou bien il vit d'une vie normale, heureuse, avec femme, enfant, ses parents, pour mourir dans son lit, entouré par ses arrière-petits-fils. Beaucoup de bonheur, une vie longue et une absence totale de gloire. Ça veut dire quoi, dans le contexte du poème Iliadique ? Qu'une fois qu'il est mort, c'est comme s'il n'avait jamais été. Il n'y a plus rien. Achille a disparu. Il a sombré dans le néant. Ou bien, s'il veut exister toujours, avoir ce que les Grecs appellent « kleos aftiton », une gloire, une renommée éternelle, et par conséquent l'accès à un statut héroïque. Il ne meurt pas, tous les hommes sont mortels, mais quelques-uns, à l'intérieur même de cette mortalité, ils vont conquérir quelque chose d'autre, ils continueront à être vivants et présents dans la mémoire de toutes les générations, pendant des millénaires, au point qu'ils auront plus d'importance pour la vie sociale, commune et même individuelle de chaque être vivant, y compris au XXe siècle, ou au Ve siècle athénien, que les vivants eux-mêmes. La figure d'Achille continue à être présente parce qu'il choisit quoi ? Pour avoir ça, il faut qu'il choisisse la vie brève. Il faut qu'il soit fauché dans la fleur de l'âge, qu'il meure à la guerre dans la fleur de l'âge. C'est ça l'histoire de l'Iliade. Lorsque parut l'aurore matineuse aux doigts roses, le peuple s'assembla autour du bûcher du glorieux Hector. Et quand ils furent tous ensemble assemblés, ils éteignirent d'abord le bûcher tout entier, avec le vin qui flamboie tout ce que la force du feu avait attaqué. Et puis ils rassemblèrent, frères et compagnons, les os blancs, en versant des pleurs, et coulaient de leurs joues les larmes à foison. Ils prirent les os et les mirent dans un coffre en or, le recouvrant de molles toiles pourpres. Ils le mirent sans tarder au creux d'un fossé, et par-dessus ils étendirent un épais lit de grosses pierres. Vivement ils répandirent la terre d'un tertre et établirent partout alentour des guetteurs, de peur d'un assaut prématuré des Achéens, porteurs de bonnes jambières. Ayant répandu la terre du tertre, ils repartirent, et puis parfaitement s'assemblèrent pour prendre leur part d'un merveilleux banquet dans la demeure de Priam, le roi, nourrisson de Zeus. Tels furent, entourés de leurs soins, les funérailles d'Hector, dompteur de chevaux. Et je termine sur la mort d'Hector. Mais c'est là qu'on voit à quel point c'est un livre qui fait penser en même temps, pas seulement qui vous charme. C'est que Achille a fait culminer sa rage et il est dans sa tente avec le cadavre d'Hector qu'il a essayé de défigurer complètement. Il n'y est pas arrivé parce que les dieux l'ont empêché, ils ont enduit le cadavre d'Hector d'un onguent pour qu'il ne pourrisse pas. Il est là comme un loup, comme une hyène, à essayer de détruire ce cadavre. Et puis alors, Zeus est fâché, il le lui fait savoir, et surtout il y a cette merveilleuse intervention de Priam. Priam, le vieux père, va passer entre les lignes comme une sorte d'ombre invisible guidée par Hermès. Entre les deux camps ennemis, les deux camps qui se sont déchirés dans le no man's land, dans un espace qui est en quelque sorte
à l'intérieur de la poésie, un espace où il n'y a plus de combat. Et il arrive là, il entre, et Achille, tout d'un coup, est stupéfait de voir ce type, ce vieux bonhomme-là. Il se précipite par terre, il lui prend les mains, les genoux, et il y a cette scène absolument admirable où, tout d'un coup, le père d'Hector et Achille vont se retrouver comme le père et le fils. Évidemment, Priam lui dit « Pense à ton père ». Mais c'est le texte, quand on l'analyse, va beaucoup plus loin. On a l'impression qu'on ne sait plus quel est le fils, quel est le père, quel est le grec, quel est le troyen. Tout d'un coup, il y a là une espèce d'univers humain qui dépasse cette guerre que l'Iliade a voulu décrire et qui ouvre une nouvelle dimension, qui est la dimension de l'humanité, de deux êtres qui tout d'un coup pleurent ensemble, ils pleurent tous les deux, ils pleurent comme des veaux tous les deux, et ensuite ils vont manger tous les deux. Et ça, donc, ça finit sur une ouverture et une espèce de qui fait que toute la signification du poème est remise en cause. Ξέφυγαν των άθλιων όλεθρων όλοι τους ίσαν σπίτι τους, γλιτώνοντας και από του πολέμου και από της θάλασσας στη μάχη. Μόνον εκείνον που τον πέδευε πόθος διπλός, του γυρισμού και της γυναίκας του, τον έκρυβε κοντά της με νερά ήρα, του καλυψό, θεάς σε μύθα χρονική, τις τελευταίες στυλές, γιατί τον ήθελε. Mais quand, dans la ronde des ans, l'année 20 que les dieux avaient filé pour son retour au logis en Ithaque, et là non plus il n'avait pas échappé aux épreuves, même au milieu des siens, les dieux eurent de lui pitié tous. Hormis Poséidon qui s'emportait avec fureur contre Ulysse, égal aux dieux, avant qu'il ne parvint dans son pays. Calypso, c'est donc celle qui se cache, la cachée, elle est loin de tout. Elle, c'est celle qui cache Ulysse. Donc elle lui donne cet ordre. Hermès dit, mais où il est Ulysse? Alors elle dit, oh, il n'est pas à la maison où il y a le lit conjugal. Calypso, elle est toujours seule. Bien entendu, elle a trouvé cet homme et elle lui a promis, s'il reste avec elle, de lui donner la non-mort, l'immortalité et une jeunesse permanente. Toujours jeune, toujours vivant. Il faut qu'il reste. Et quand Hermès demande qu'est-ce qu'il fait, le texte nous dit qu'il est sur un rocher, qu'il regarde la mer et qu'il pleure toutes les larmes de son corps. Et qu'il pleure et que il ne désire plus la déesse bouclée, il désire de mourir. Alors là, il y a quelque chose de, je trouve aussi, de bouleversant. Il regarde la mer, il pense à Ithaque, il pense à Pénélope. Alors elle lui dira, mais tu trouves que Maître Pénélope est plus belle que moi? Il dit, oh, mais non, bien sûr que non. Là aussi, tu es beaucoup plus belle, tu es une déesse, puis elle a dû vieillir, mais c'est Pénélope. Et moi, je suis Ulysse. C'est-à-dire que il y a tout ce jeu qui rejoint un peu Achille. Il ne peut, s'il est toujours jeune et immortel avec Calypso, c'est comme s'il avait disparu à jamais. C'est ce qui est expliqué en toute tête. Parce que personne ne le connaîtra. Aucun des vivants, aucun des hommes mortels ne se rappellera son nom. Quand on demande à Télémaque, « Et ton père ?» Il dit, « Oh, mon père, si c'est mon père, il a disparu, peut-être les harpies, il n'y a plus rien, il n'est plus là, il n'appartient plus au monde des hommes. »
le héros comme Achille qui est mort, il n'appartient jamais au monde des hommes, dans la mémoire humaine, il sera toujours présent. Et Ulysse s'y prend l'immortalité. À ce moment-là, comme on lui donne, il disparaît à jamais de la mémoire des hommes. Il cesse d'être ce qu'il est. Ulysse, le héros d'endurance, le type qui en a vu toutes les couleurs et qui n'a qu'une idée, rentrer chez lui et se mettre au lit avec sa femme. Et donc, il pleure toutes ses larmes. Ωστόσο τώρα τον συμπαθούσαν οι θεοί, όλοι εκτός του Ποσειδώνα. Αυτός φοδρό κρεμούσε τον θυμό του πάνω στο θεϊκό Οδυσσέα. Προτού πατήσει της πατρίδας του το χώρο. Voilà un sujet de film. Je veux dire juste ce passage Ulysse et Calypso, parce que ça, ça serait absolument fabuleux, parce que ce sont des sentiments humains, ce sont des sentiments contrariés, c'est le fait que la décision vient de la femme, ce qui à l'époque n'était pas absolument évident, hein. Et c'est aussi les rapports qui existent entre le destin, puisque il est écrit que Ulysse va rentrer chez lui à Ithaque de toute façon, et Calypso le sait avant lui. Et c'est elle qui lui montre que c'est comme ça que ça doit se passer. Alors il ne faut pas le voir en termes modernes de liberté absolue et d'amour fou, contrarié, il faut le voir, je pense, en termes de... préscience ou connaissance de la volonté des dieux, précisément. Parce que sans ça, on peut pas comprendre. C'est pour ça que le côté magique, puisqu'on va traduire ça en parlant pas de volonté des dieux, mais de magie, le côté magique de l'œuvre est complètement indispensable, mais que en même temps, dans un univers aujourd'hui, où pour échapper à l'horreur de la réalité et de l'information quotidienne, la magie redevient tellement importante. L'Alfa Romeo. Le music hall. La statue grecque. Le revolver. Le nouveau film traditionnel de Jean-Luc Godard. Que les vautours enfoncent leur bec drapace dans la plaie que mon épée a ouverte en son flanc, afin qu'Hector, meurtrier de Patrocle, souffre deux fois la mort et que s'accomplisse la vengeance d'Achille. La colère, la vengeance, l'amour, la pitié. Jamais l'ardeur des passions humaines ne fut chantée avec un art plus admirable que dans les pages immortelles de l'Iliade. Et jamais film ne fit revivre ces pages avec tant de force, de grandeur, de somptuosité. La guerre de Troie. Και εκείνη, σεβαστή Νεράιδα, πήγε να βρει τον μεγαλό ψυχό Οδυσσέα, στην προσταγή του Δία Υπακουή. Ulysse coupa des troncs. Son ouvrage s'accomplit rapidement. Il en abattit 20 en tout, les dégrossit avec la cognée de bronze, puis les polit en homme de savoir, et les dressa au cordeau. Cependant Calypso, la céleste déesse, avait apporté les tarières. Alors il perça toutes les poutres, les ajusta l'une à l'autre, et à force de cogner, il monta le radeau avec les chevilles d'assemblage. Cependant Calypso, la céleste déesse, avait apporté de la toile pour faire de la voile. Il la fabriqua, elle aussi, avec art, et y adapta les cordes et les drisses.
Il attacha les boulines au radeau. En s'aidant de levier, il le tira dans l'eau salée qui luit. Quand ce fut le quatrième jour, il avait tout achevé. Le cinquième, la céleste Calypso le laissa partir de son île, après l'avoir baigné et enveloppé de vêtements parfumés. La déesse avait mis pour lui sur le radeau deux outres, une outre de vin noir, une grande outre d'eau, et des provisions de route aussi dans un sac de cuir, où elle avait mis pour lui quantité d'aliments, de quoi contenter son envie. Puis elle lança un bon vent tiède et sans danger. C'est beau qu'elle-même, alors qu'elle est certainement très éprise d'Ulysse, elle lui dit de construire le radeau pour aller retrouver sa femme. Et puis il y a cette scène, c'est quand même très érotique aussi, où il construit le radeau, et ce radeau est un lit, c'est évident. Il retrouve déjà le lit de sa femme en construisant ce radeau. Mais ce sont des textes de désir, l'Iliade et l'Odyssée. Déjà sur l'Iliade, on a beaucoup glosé sur la véritable nature des relations entre certains guerriers, mais dans l'Odyssée, c'est encore plus sensible, évidemment, toutes ces belles filles qui croisent la route d'Ulysse. C'est assez drôle parce que théoriquement, l'Odyssée est le récit d'un mari qui va retrouver sa femme. On peut être perplexe. On a plutôt l'impression qu'il va trouver beaucoup de femmes avant de retrouver son épouse légitime, et que ce sont même les autres femmes qui favorisent son retour dans les bras de la légitime, parce que lui n'a pas l'air tellement enragé. Ni tellement pressé. Ni tellement pressé de retrouver son épouse légitime, qui est pourtant d'une fidélité admirable. Là, avec les prétendants, elle ne cède à aucun. Pourtant, elle a attendu longtemps. Hein. Mais lui, il ne se prive pas trop en chemin. En plus, elles sont apparemment toutes plus délicieuses les unes que les autres. Certaines sont magiques, d'autres ne le sont pas. Bon, la plus délicieuse est quand même Nausicaa. D'ailleurs, même si le texte ne le dit pas précisément, il s'est forcément passé quelque chose avec Nausicaa. Les lois de l'hospitalité étaient tellement exquises à l'époque qu'on sent bien que le roi des Phéaciens serait même un peu, se sentirait un peu insulté si Ulysse était reparti sans avoir un peu honoré sa fille, même s'il a bien compris qu'il n'allait pas épouser sa fille. Mais c'est pas tellement grave tout ça. Ulysse, c'est l'homme au mille tours, c'est quand même le héros de l'intelligence. Si Ulysse s'en sort, si finalement Homère s'intéresse plus à Ulysse qu'aux autres personnages, c'est parce que c'est le plus malin, c'est le plus intelligent. Il s'en sort par la ruse. Donc, il est fatal qu'il préfère la déesse qui va le mieux avec son personnage. Et si la déesse s'est, pour ainsi dire, amoureuse d'Ulysse, c'est parce qu'il est son héros, vraiment. Il défend, comme un chevalier défend les couleurs d'une dame, on peut dire que Ulysse défend les couleurs d'Athéna. Bon, il en défend parfois d'autres, mais enfin, surtout quand même, les couleurs de l'intelligence. On répond, oui. Qu'est-ce que c'est que ces voleurs? Ils nous traitent de voleurs. Nous, les Grecs, qui rentrons après avoir pillé Troie. Bienvenue à vous. J'ose souhaiter que tu n'oublieras pas les lois de l'hospitalité. Les lois de Zeus qui protègent les voyageurs. Que m'importe la loi de ce dieu?
Je suis Polyphème, fils de Neptune. Le fils de Neptune, nous sommes perdus. Mais comme ils sont coriaces, ces Grecs, que leur chair est fade. Πρώτα θα φάω τους άλλους. Τώρα το ξέρεις. Tu me demandes mon nom connu, Cyclope, je vais te le révéler. Mais toi, donne-moi un présent d'hospitalité comme tu l'as promis. Personne est mon nom. Ce furent mes paroles, et lui, le cœur impitoyable, me répondit aussitôt : je mangerai personne le dernier. Du vin sortait précipité de son gosier et des morceaux de chair humaine, et il éructait, lourd de vin. Alors je poussai le pal sous la masse de braise pour le chauffer, et adressai des paroles d'encouragement à tous mes compagnons, ne voulant pas qu'il y en eût un qui prît peur et se déroba. Ainsi, ayant saisi le pal, dans son œil, la pointe en feu, nous le faisions tourner. Il poussa un grand gémissement effrayant dont le roc autour de lui résonna. Nous bondîmes de côté, pris de peur. Il tira de son œil le pal, enduit de sang en quantité, et de ses mains le lança, loin de lui. Il délirait. À pleine voix, il appelait les cyclopes qui habitaient aux alentours, parmi les sommets éventés dans les grottes. Entendant ses cris, ils allaient et venaient de tous les côtés, puis se postant autour de la grotte, ils lui demandèrent ce qui l'affligeait. « Pourquoi donc, Polyphème, as-tu jeté ainsi de tels cris de détresse à travers la nuit mortelle, nous ôtant le sommeil? Y a-t-il quelqu'un des mortels qui, malgré toi, prend en chasse ton troupeau? Y a-t-il quelqu'un qui, par ruse ou violence, entreprend de te tuer ?» Du fond de sa caverne, le puissant Polyphème leur dit alors: personne, mes amis. Et c'est ruse, non-violence, qui me tue. Puisque personne n'emploie contre toi la violence et que tu es seul, c'est que tu as une maladie que t'envoie le grand Zeus. Il n'y a pas moyen d'éviter, tu n'as qu'à prier le seigneur Poséidon, ton père. C'est ce qu'ils lui dirent en s'en allant. Il y a quand même une scène qui est tout simplement à mes yeux, et pas seulement à mes yeux d'ailleurs, la plus belle scène de toute la littérature qui est de tous les pays, qui est la scène où le chien Argos reconnaît son maître Ulysse à son retour à la fin de l'Odyssée. Le tout vieux chien, on peut d'ailleurs s'émerveiller de la longévité de ce chien, parce que quand même il est censé être parti 20 ans. Or le texte nous dit qu'avant le départ d'Ulysse, ce n'était pas un chiot puisqu'il partait chasser avec lui. On pense que les vraies retrouvailles vont être celles d'Ulysse et de Pénélope. C'est vrai que c'est pas mal non plus comme retrouvailles, mais est-ce que le moment le plus émouvant, le plus bouleversant des retrouvailles, est-ce que ce n'est pas Ulysse et le chien Argos? Moi je pense que si. D'autant plus que c'est très sobre, ça tient à peine une page. Mais c'est tout simple, une joie et puis une agonie. Le chien Argos gisait donc là, rempli de tiques. Quand il aperçut tout près de lui Ulysse, alors il remua la queue et rabattit les deux oreilles. Mais il ne put faire plus et s'approchait de son maître. Ulysse le vit et s'écarta pour essuyer ses larmes. Son lot, ce fut la noire mort qui le prit tout entier dès qu'il eut vu, après 20 ans, Ulysse. Ulysse est resté comme un personnage
notable par son intelligence, par son humanité, et en même temps, c'est une sacrée brute. Parce que dans l'Iliade et dans l'Odyssée avec les prétendants, quand il les exécute, il pourrait les foutre dehors à coups de pied au derrière, mais c'est pas du tout ça. Hein, ça là, j'insiste pas sur le côté sanglant, mais quand ça se déclenche, c'est pas pour rire. Dès qu'il eut soupesé le grand arc, qu'il l'eut de tous les côtés regardé, Ulysse, aux mille dessins, comme un homme qui connaît le chant et la lyre n'a pas de peine à tendre la corde autour de la cheville neuve, attachant des deux bouts le boyau bien tordu d'un mouton, Ulysse, sans effort, tendit le grand arc. De la main droite, il prit la corde et l'essaya. Elle répondit en chantant de belle façon, et à entendre sa voix, on eût dit l'hirondelle. Les prétendants, alors, eurent une grande angoisse. Tous changèrent de couleur. Zeus fit entendre un grand bruit de tonnerre, c'était sa marque évidente, et le divin Ulysse, porteur de tant de maux, devint radieux, à cause du signe que le fils de Cronos, au dessein tortueux, lui avait envoyé. Il saisit une flèche prompte qu'il avait à sa portée, toute nue, sur la table. Les autres se trouvaient dans le creux du carquois, celle dont les Achéens bientôt allaient tâter. Donc, il saisit la flèche et la mit sur le coude de l'arc. Il tira la corde en même temps que l'encoche et du siège même où il était assis, devant lui visant le but, il lança la flèche. Il ne manqua pas l'œil de la première de toutes les haches. Le trait qu'alourdissait le bronze les passa tous jusqu'au dernier. Mais alors là, je pense que justement, on ne peut pas comprendre ça aujourd'hui si on ne se remet pas effectivement dans la connaissance minimale de quelque chose qui a été écrit il y a si longtemps et une époque qui était extrêmement dure. Parce que, bon, après tout, le fait de tuer les serviteurs et les esclaves, par exemple, quand le maître meurt, les Chinois pratiquaient ça de manière absolument normale. Quand l'empereur mourait, tout l'entourage était zigouillé et enterré. Mais du coup, ça change complètement la personnalité d'Ulysse, qu'on ne peut plus voir comme un personnage sympathique et inoffensif. Il y a donc toujours une ambiguïté. Et ça, je pense que ça fait partie aussi des grandes œuvres, parce que c'est comme ça, la personne la plus remarquable et la plus positive et le plus grand savant peut se trouver impliqué dans une affaire de mœurs lamentable ou commettre un crime. On en a des exemples parfaitement concrets que je ne citerai pas à l'époque contemporaine. Bah, Ulysse, il a trouvé son épouse. Et c'est ça qu'il demandait. Il est l'homme de la fidélité, de la grande fidélité à sa femme, à son pays, au sien, à lui-même. Il veut être Ulysse. Et alors, il tue les prétendants. Et là encore, il y a une science incroyable, parce que le texte explique qu'il faut nettoyer la grande salle. Elle est souillée du sang des prétendants, il faut la nettoyer. Et en même temps, comme soi-disant Pénélope devait épouser l'un d'eux, tous les gens à Ithaque croient qu'on va célébrer le mariage. Et Ulysse dit, faites retentir la musique, on joue de la musique, on entend les pas de danse, les portes sont fermées, et c'est le mariage de Pénélope. C'est-à-dire que le temps est aboli et qu'il retrouve avec Pénélope, en quelque sorte, le jour des noces. Ils se retrouvent tous les deux couchés au lit. Mais, c'est pour lui dire, alors c'est fermé, tout va bien, non, c'est pour lui dire ce qu'il a reçu aux enfers, ce qu'il sait, à savoir qu'il n'aura pas une vieillesse tout à fait heureuse. Il faut qu'il reparte, Ulysse. Il faut qu'il reparte à pied, loin de la mer, avec sur l'épaule une rame, que les gens d'ailleurs ne reconnaîtront pas parce qu'il sera loin de la mer. Donc là encore, il y a une ouverture qui d'une certaine façon fait passer un rayon de soleil différent de ce qui était le sens de tout le poème.